balobi mama mardi ne mama mardi ne balobi shop Africa Union mais quand t'es un nyoso biloko ya ya wali yo kongole oni ginde kola yo a sali sa yote bona kolia na yo moko babonde la yo bona nzoto na yo babo ya ele poko babonde la yo balobi bio Bio Africa Union et toi t'es tout à coup on a pas chinois sinon on est pas ya sinon on est ali Ne colère pas de ça, parce que c'est un logo yambo, ya fresh, ya bio, bio na bio, bio na bio, si on a mangé, on a mon canja isali, parubin zomo yali, en Cuba paniwa, parubin zenge isali, ya kumba kanga ya shembo to yambisi, parubin ya ba ya bosu ya boko bosu isaga ne, kala ngando ne kala ni na basi, oye tuke na sutu, eza kodiya na peti, kwa mama mande. Pour pas tout comprendre, Mawa. Où allons-nous? Où allons-nous? Pour la Coriana, puis nous m'envoie. Pas pour les radis, Coriana, appétit. Mesdames et messieurs, c'est un honneur de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle politique, c'est vrai, un peu de territorial, parce qu'il faudrait finalement revenir sur les provinces que l'IGF avait inspectées. On verra bien, on nous dit qu'un gouverneur ne rentrera pas ou ne devrait pas rentrer chez lui parce que c'est quelqu'un de non crédible, c'est ce qu'on nous fait croire. Et puis après, un autre gouverneur, vous le comprendrez au cours de l'émission, refuse d'entrer, d'adhérer à l'Union Sacrée, bref, c'est la version qu'on nous présente, et qui refuse d'adhérer à l'Union Sacrée, et tout le malheur du monde s'abat sur lui. Est-ce vrai ou c'est simplement de la surenchère? On en parle avec quelqu'un que vous connaissez déjà, c'est vrai qu'il a disparu dans le média depuis un certain temps. Il s'appelle Papi Tamba, c'était un ancien communicateur de la majorité présidentielle à l'époque. Aujourd'hui, Papi Tamba est dans plusieurs autres secteurs, il est dans la communication, il est dans le sport aujourd'hui avec deux grandes équipes, le TP et le Croyant et le FC le Croyant. Papi Tamba, bonjour. Bonjour, je suis toujours communicant du FCC. Ah, toujours? Ah non, toujours, ça c'est à vie. Ah, vous n'êtes pas parti? Parti où? Dans l'Union Sacrée. Ah non, je suis communicant du FCC, ça devait vous suffire. Comment se porte Joseph Kabila? Très bien. Après sa détente à Dubaï, ça va, il a fait les tours. Enfin, vous parlez d'une détente, et les mots sont encore gentils. Oui. Mais dans les réseaux, je lis certaines choses qui sont très inconfortables à écouter. Mais tout ce que vous devez savoir, c'est qu'il va bien. Est-ce qu'il était embarrassé par la décision de retirer sa garde ou une partie de sa garde? Vous savez, quand vous êtes un président qui avait favoriser une première alternance pacifique et démocratique, plus rien qui peut seulement concourir à la paix peut vous embarrasser. Plus rien. Et donc, il est parti tout. Mais alors, vous avez dit par vous, mais l'FCC nous a fait croire que Kabila était allé à une conférence. On n'a jamais vu des vidéos en question, on n'a jamais vu même les questionnaires, on n'a rien vu. Mais à la place, on nous a présenté, toujours dans le même réseau, on nous a présenté une course des véhicules dans le désert, avec, entre guillemets, le prince des Émirats. Est-ce vrai? Laquelle des versions est vraie? Je crois que vous avez foi au très serré magazine Jeune Afrique. Et Jeune Afrique nous a révélé, du moins une partie de son parcours. Donc, effectivement, Jeune Afrique en parle, de cette conférence. Jeune Afrique parle de ses différents contacts. Mais il y a une chose que les Congolais doivent savoir, c'est que le président Kabila, dans l'histoire, restera une sorte d'icône de celui qui a mis fin à une très grande rébellion qui a occupé un pays l'espace de 700 km². Vous entendrez rarement parler des rébellions qui occupent 700 km² dans un pays. En l'occurrence, le tristement célèbre M23, et il a mis fin à cette aventure. C'est une référence mondiale en matière de sécurité. Les Congolais ont une particularité. Des fois, ce n'est pas reconnaître les lauriers ou reconnaître la bravoure ou les mérites de ses propres fils, hein. Mais à l'extérieur, on sait le faire. Ça me rappelle Lumumba. Les jours que Lumumba a été assassiné ici, c'était la liesse populaire dans notre pays, mais c'était les marches de protestation en dehors du pays.
C'est bien dommage. C'est bien dommage de dire ça, mais je crois qu'on va revenir là-dessus, parce que quand vous dites qu'il a mis fin à une guerre, alors c'est contradictoire par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui. Joseph Kabila fut rebelle, il arrive, il trouve la rébellion, il part, il laisse cette rébellion, alors vous dites qu'il a mis fin. À un moment donné, on se pose la question, c'est de quel pays vous parlez? Joseph Kabila n'a jamais été un rebelle. Mais il a été Kadogo, vous le dites. Il a été un révolutionnaire. Ah, c'est maintenant le contenu que vous voulez donner. Ce n'est pas le contenu que je vais donner, c'est ça la vérité. Mais pourtant, il était... Il a été un révolutionnaire. La preuve, c'est que l'acte de la révolution auquel il a participé a été salué par les peuples congolais. Les peuples congolais... Un peu comme on a salué son départ. Dans un état... Non, vous savez, aujourd'hui, ça fait 2 ans qu'il est parti. Si on a salué son départ, on avait salué l'alternance. Et les gens étaient contents de savoir. Et nous pouvons avoir dans notre pays un président encore en vie, mais qui a été un ancien président. Voilà ce que les gens ont salué. Mais 2 ans après son départ, nous observons les choses et nous écoutons des choses. C'est tout à fait normal après ce qu'il a laissé. En fait, c'est que les gens disent les bazars qu'il a laissé dans ce pays, mais c'est tout à fait normal que deux ans, on parle que de lui. Vous savez, dans notre épisode, si je dis nous écoutons des choses, oui, c'est tout l'inverse de ce que vous dites. Alors, je ne suis pas ici pour faire une polémique des bas étages, sachant que les Congolais eux-mêmes ne sont pas naïfs. Ils ont leur propre lecture des événements. Et ils savent apprécier les choses à leur juste valeur. Alors, je voudrais qu'on en parle à la fin de l'émission. Par contre, parlons d'abord de la territoriale, Papi Tamba. Aujourd'hui, un observateur, comment trouvez-vous la gestion de la territoriale aujourd'hui? Il y a une chose que nous devons savoir, c'est que notre pays vit sa grandeur, a un énorme besoin. L'énorme besoin que notre pays a, c'est de se développer par la base. C'est de se développer aussi à la base. Ce qui voudrait dire que la territoriale doit être saluée. C'est une très bonne chose parce que ça permet un rapprochement entre gouvernants et gouvernés. Si nous devons gérer notre pays à partir du pouvoir central, il y aura plusieurs étages qui vont séparer les gouvernants des gouvernés. Avec la territoriale, les gens ont des députés provinciaux, ils ont des ministres provinciaux, ils ont un gouverneur, ils ont des gouverneurs des provinces, et qui peuvent voir au quotidien, tous les jours, des gens qui peuvent les rendre compte. Et ces rapprochements permettent que nous puissions avoir une sorte d'émulation qui donnerait envie de vivre des grandes choses. La preuve, c'est que depuis 2015, que nous avons mis en place la structure de l'État avec les 26 provinces, nous sentons et nous observons une sorte de développement un peu très accéléré au niveau de la base. Presque toutes les provinces sont en train de ressentir les bien fondés de cette politique de découpage territorial. En ce qui me concerne, je pense qu'il faut encore démembrer certaines provinces. Parce que ne trouvez-vous pas que si l'ancienne administration était de très bonne foi, on aurait eu aujourd'hui des conseils municipaux. Les bourgmestres ne seraient pas nommés, mais plutôt votés. Qu'est-ce qui a véritablement empêché à ce qu'on ait des conseils municipaux, à ce qu'on ait de bourgmestres élus? Parce que c'est ce qui constitue, paraîtrait, l'action au niveau de la territoriale. Non, le problème, c'est que par le passé, nous l'avions plusieurs fois dit et décrié. Malheureusement, les gens avaient un focus que sur l'élection présidentielle. Les gens avaient oublié que les élections fondamentales dans notre pays sont d'abord... les élections au niveau de la base. Exact. Et quand nous défendions cette position, les gens qui étaient focus sur un individu, en l'occurrence Joseph Kabila, ne voulaient pas entendre autre chose. Aujourd'hui, cela se poursuit. Moi, je sais que nous avons 11 scrutins dans notre pays, dont 6 élections, 5 je crois directes et 6 ou 5 indirectes. Nous pouvons, dans 2023, insérer 2 autres élections locales directes, parce qu'avec la machine à voter, nous avons fait une belle expérience de savoir qu'on pouvait voter, 3 différents candidats à 3 différentes élections les mêmes jours et en étant record. C'est maintenant une question de programmation informatique pour que les élections directes au niveau local, notamment des conseillers municipaux, notamment bourgmestres, des bourgmestres, que cela, non,
Oui, des bourgmestres, c'est, non, les élections directes, les bourgmestres sont élus au deuxième degré. Oui, oui. Ils oui, sont élus au deuxième degré. C'est-à-dire, tous les... Il ne s'agit pas des élections directes, que cela ah, c'est ce sont les conseils municipaux les qui élisent les gouvernements, ah, c'est ça. Les bourgmestres. Voilà. On peut le faire les mêmes jours. Nous avons déjà la chance d'avoir une expérience. Et cela va résoudre un certain nombre de choses. Alors, la territoriale, bon, parlons de deux, trois provinces qui posent un problème. On avait la province de l'Est, je vais dire, la province située le Nord Kivu, le Sud Kivu, et puis on a le Katanga dans son ensemble. Au niveau du Kivu, c'était la tête des roubures, quoi, qui ne plaisait personne au niveau du ministère de la décentralisation. Les gens disaient, c'est un ministre éternel, et bien c'est lui qui fait le tout, qui fait le tout. Lorsque vous allez dans le Grand Katanga, on dit on a fait la guerre à Katumbi et on a remplacé Katumbi avec celui de Lubumbashi, Monsieur Mouyej et Monsieur Kabila, tout ça. Alors, est-ce que aujourd'hui ces supputations, ces accusations sont-elles fondées? Vous savez, il y a une chose que moi j'ai toujours demandé aux Congolais de résister à ça, c'est la manipulation politicienne. Il y a des laboratoires dans ces pays qui ne réfléchissent pas en termes de développement, mais qui ne réfléchissent qu'en termes de salir des individus ainsi que de certains projets. Au niveau de l'espace du Grand Katanga, ou l'ancienne province du Grand Katanga, lorsqu'il fallait la démembrer, c'est là que nous avons observé certains laboratoires désorienter l'opinion. Mais si vous allez au niveau de l'espace du Grand Katanga aujourd'hui, et que vous êtes honnête, vous pouvez vous rendre compte que le Grand Katanga aujourd'hui n'est pas celui plutôt qu'il était avant les démembrements. Les résultats sont palpables. Presque partout, nous sommes en train de voir en termes d'infrastructure, en termes de certains projets de développement, même dans les secteurs tertiaires, on observe des grands changements avec des gouverneurs qui sont encore plus proches de la population. Par rapport, par exemple, vous avez un seul gouverneur, Lubumbashi, qui pourrait peut-être une fois tous les 6 mois faire un déplacement à Kolwezi. Il faut aller, par exemple, à Kolwezi, au Tanganyika, au Lomami, oui. Essayer de voir ce qui s'est fait aujourd'hui. Mais Papitamba, ce n'est pas les déplacements d'un gouverneur qui fait développer un coin. Le gouverneur est gouverneur, il y a des bourgmestres dans le coin. Chaque territoire a un chef. Il faut plutôt parler de cette action gouvernementale au lieu de le déplacement du gouverneur. Non, attendez, monsieur Christian. Dans notre pays, il y a la loi, c'est la libre administration des provinces. Oui. La libre administration des provinces détermine les compétences des uns et des autres au niveau régional ou au niveau provincial. Il y a des choses qui relèvent obligatoirement de la compétence du gouvernement provincial. Oui. Et je pense qu'il est plus approprié de ne pas avoir que des notes dans son bureau de ce qui se passe ailleurs. Il est plus intéressant de palper la réalité. Il est conseillé à des gouverneurs ou même à toute personne investie d'un certain pouvoir de palper la réalité du doigt. Maintenant, si j'ai dit qu'il y avait un problème, on pouvait voir un gouverneur tous les 6 mois. Oui. Ça ne voudra pas dire que c'est l'élément déterminant qui devait caractériser le développement. Mais ce rapprochement est tellement important que les résultats sont palpables aujourd'hui. Oui, mais le rapprochement de qui? De la population et j'ai parlé des gouvernants. Ou des gouvernants ou la population. J'ai parlé des gouvernants et des gouverneurs. Oui, le gouvernant n'est pas forcément le gouverneur. Le gouvernant, c'est aussi les gouverneurs, c'est aussi les chefs mais de quartier, les sièges, ainsi de suite. Il y a les sièges des institutions. Mm. C'est ce que j'essaie de vous dire. C'est-à-dire quoi? Prenons l'exemple d'un pays comme la France. La France est 4 fois moins grande que la RDC. Et la France, aujourd'hui, a environ 121 départements. C'est toujours plus indiqué de comprendre que la décentralisation permet à ce que nous puissions décharger les pouvoirs centraux et même les pouvoirs à un certain niveau aussi, pour permettre à ce que les gouvernants et les gouvernés puissent créer un modèle de développement local. C'est très important. Dans des pays où la décentralisation a fait école. Ces pays-là ont tout simplement utilisé les méthodes que des fois dans notre pays nous voulons critiquer. À Paris ou en France, l'ère de décentralisation s'est faite sur base d'une révolution. Il aurait fallu qu'il puisse y avoir la révolution de Paris
pour qu'ils comprennent qu'il fallait mettre en place la décentralisation. Aujourd'hui, pour nous, dans notre pays, il n'y a pas eu de révolution. Alors que nous avons effleuré plusieurs révolutions avec des revendications qu'on avait ressenties à gauche et à droite. Chez nous, ici, c'est la vision, le leadership qui était à la tête de l'État qui a impulsé et qui a donné le ton. Et cela a été accepté dans une certaine mesure par des populations bénéficiaires. Aujourd'hui, il ne suffit pas de faire, l'émission nous sommes en train de faire, c'est depuis Kinshasa. Mais il faut aller maintenant à province, dans ces provinces-là pour vivre la réalité. Prenons mon exemple. Je vais parler d'une province comme le Lualaba. Je suis un témoin vivant et oculaire de la situation du Lualaba en 2011 et la situation du Lualaba aujourd'hui. Dans 2015 plutôt, et la situation du Lualaba aujourd'hui. Lorsque le 29 octobre 2029, on avait signé l'ordonnance nommant le gouverneur Mouyej et la vice-gouverneure Mme Fafi Massouka comme état commissaire spécial et commissaire spécial adjointe, je peux vous dire qu'il n'y avait rien qui donnait espoir dans cette province. Les routes étaient dans un état, vous ne pouvez même pas imaginer. Je dis ça parce que quelques semaines plus tard, j'ai fait les déplacements pour la première fois au Lualaba. Ce sont des choses que j'ai vues et les Lualabais qui sont honnêtes. Parce qu'il y a un problème qui se pose aussi dans notre pays, c'est l'honnêteté dans les jugements. Mais les Lualabais qui sont honnêtes reconnaîtront la vérité dans ce que je suis en train de dire aujourd'hui. Il n'y avait rien. Le gouverneur est arrivé, même dans un hôtel. Il n'y avait même pas de bureau du gouverneur. Il n'y avait rien à tous les différents niveaux. Aujourd'hui, le Lualaba est présenté comme étant un mystère. Les développements que nous observons au niveau du Lualaba devrait être salué par tous les Congolais parce que cela a donné de la matière même à plusieurs autres provinces. Savez-vous que vous nous avez dit ça toujours, vous, le même Papi Tamba, vous nous avez dit que Moïse Katumbi était un excellent gouverneur. Vous avez dit, vous, Mende et les autres, que tous les gouverneurs devraient apprendre la gestion de Moïse Katumbi. Et puis après, quand il a quitté votre bord, c'était devenu le sorcier, c'était devenu... Vous l'avez même donné des noms, hein, des noms italiens, Soragno, tout ce que vous voulez. Alors aujourd'hui, je crains que la personne que vous nous présentez comme une bonne personne se révèle en réalité un autre Soriano, peut-être. Non, il y a une différence par rapport au passé. Oui. La grande différence, c'est qu'il faut reconnaître une chose à la personne du gouverneur Moïse Katumbi, c'est qu'il savait bien embellir dans la communication ses actions. Et ce sont des actions que nous vivions de loin, en tout cas en ce qui me concerne personnellement. Aujourd'hui, avec le gouverneur Mouyej, c'est des actions que j'ai palpées du doigt plusieurs fois. Mais qui ne sait pas embellir dans la communication. C'est-à-dire... je n'ai pas dit qu'il ne s'est pas embelli la communication, j'ai dit que ce sont des actions concrètes et réelles. Donc vous avez parlé l'autre fois des choses que vous n'avez jamais vues. Des choses qui étaient... Non, vous savez, ça ne m'empêche pas de parler de l'Inde, même si je n'ai jamais été dans l'Inde. Dans la vie, il faut avoir un minimum de confiance dans ce qu'on vous présente. Dans oui, la vie. Mais un minimum, mais vous, vous avez présenté ça comme l'absolu. Attendez, monsieur Christian, je vous ai suivi plusieurs fois sur votre plateau où vous faites des comparaisons avec des États où vous n'avez jamais été. Si, c'est vrai. Alors, c'est-à-dire, nous sommes dans les champs de la communication où la naïveté, il faut aussi comprendre que c'est aussi une partie de la nature de l'homme. Tous, on le voit dans la magistrature, quelquefois on trouve des juges qui sont naïfs, qui croient facilement à des gens qui ont volé, mais qui ont bien embelli leur discours et les juges les acquittent. Nous voyons la naïveté dans la politique. Nous voyons la naïveté même au sein des chefs d'État. Donc, vous avez été naïf à un moment donné. Je dois l'avouer ici. Dois l'avouer, mais aujourd'hui, c'est-à-dire être naïf une fois, oui. Mais être naïf tout le temps, non. Est-ce que si aujourd'hui Mouyej, par pur hasard, quitte le FCC, vous tiendrez le même discours? Les faits ou les œuvres parleront à sa place. Très bien. Ça sera ridicule de critiquer ce qui est visible. Alors, revenons sur Mouyej. Savez-vous que Mouyej est contesté dans sa province? Ah non. Et que, si, il y a des hommes et des femmes qui m'appellent tous les jours, qui me présentent des éléments tous les jours, que monsieur ne croit qu'à lui-même, il n'a que Kabila pour Dieu, il ne respecte pas les députés, il n'a aucun respect pour l'Assemblée provinciale, et que les députés qui sont avec lui sont les députés, le bon député. Ceux qui ne sont pas avec lui sont obligés de sortir de ce territoire parce qu'il est le Dieu, il est le roi là-bas. Pourriez-vous nous dire si c'est vrai ou faux? Vous savez, M. Christian, je ne suis pas sur votre plateau pour vous prodiguer des conseils parce que vous êtes un journaliste reconnu et votre travail est salué par
les adeptes de votre émission. Mais ce que je pourrais vous dire, c'est tout simplement d'avoir vos deux oreilles. C'est tout ce que je peux vous dire. Si vous avez vos deux oreilles, vous donnerez envie à ceux qui sont pro-Mouyej aussi ou à ceux qui sont contre la ligne que vous défendez de vous appeler aussi. C'est-à-dire, notre pays actuellement, et c'est bien dommage, est en train de vivre l'ère de la manipulation où il faut tourner les esprits des gens qui ont la voix. Quand vous avez une voix qui porte, il y aura toujours une tendance qui va essayer de vous appeler pour que vous deveniez leur porte-voix, surtout devant les autorités. Nous observons ces comportements depuis le 24 janvier 2019, depuis qu'il y a cette alternance. À chaque fois, vous allez voir certains journalistes, certains hommes des médias prendre la parole de ceux-là qui appellent toujours les chefs de l'État pour dire que nous en appelons aux chefs de l'État, même pour des matières qui relèvent la compétence des chefs de l'État. Ils essayent d'influencer l'autorité. Et pour influencer l'autorité, aujourd'hui, tout le monde sait que Christian, c'est un journaliste pro-tshisekédiste. Ah, c'est, vous dis aussi. Tout le monde. Non, parce que vous, pas vous c'est y compris. Cas. Vous y compris. Bon, en ce qui me concerne, je suis obligé de mettre un droit de réserve devant vous. Sinon, la question qui suivra sera très dure. Alors, je dois prendre toutes mes précautions. Alors, si vous identifiez ceux qui vous appellent pour tenir ce genre de discours, vous comprendrez qu'il ne pouvait être que des gens qui chercheraient à emballer l'autorité au niveau national contre un gouverneur qui travaille. Mais moi, il y a une chose, ça me choque en tant que Congolais. J'observe un comportement dans notre pays où on ne veut combattre que ce qui marche. Ça devient une mentalité de sous-développement, passez-moi l'expression, diabolique. Aujourd'hui, je suis sur votre plateau, un très beau cadre, et vous vous organisez pour essayer de nous offrir l'information, un peu tendancieuse quand même, quelquefois. Vous êtes libre. Quelquefois. Vous êtes libre, ne vous en faites pas. Vous en faites pas. Mais en tout cas, vous faites du bon boulot. Merci. En ce qui me concerne, je peux le dire, parce que je suis un témoin de votre évolution, même si vous êtes tendancier. Et vous allez voir des gens demain. Si on dit que Christian Azuikisité, permettez-moi de le dire à Lingala, des gens vont commencer à vous soupçonner des choses que peut-être que vous n'avez jamais eu envie de pratiquer. Je ne dis même pas des choses que vous avez pratiquées, mais que vous n'avez jamais eu envie de pratiquer. Cette mentalité doit cesser. C'est une mentalité de sous-développement. Qu'est-ce qu'on reproche au gouverneur Mouyej, selon vous? Des fois, quand je lis dans les réseaux sociaux, je trouve tout simplement qu'il y a la haine qui est en train de faire son affaire. Parce qu'on dit tout et son contraire, et on dit des choses qui sont infondées. Parce que vous avez été avec lui, dites-nous, qu'est-ce qu'il a changé dans cette province-là? Combien d'emplois a-t-il créé? Quels sont les problèmes cruciaux qu'il a résolus? Que le peuple, vous avez dit Lualabé, que les Lualabais peuvent dire aujourd'hui, bon, on peut dormir en paix, il y a un gouverneur qui travaille pour nous. Mais là, dans ce cas, Christian, je suis demandé à une émission. Si vous voulez que je parle des réalisations du gouverneur Mouyej, je vais en parler deux aujourd'hui, oui, parce deux, qu'il y en a tellement. Ok, prenons deux. L'encadrement, par exemple, des crèzes artisanaux, c'est un phénomène au Lualaba qui aurait pu engendrer une grande révolution dans notre pays. La sagesse qu'il a eue, déjà, de convertir certains, je dis bien certains, crèzes artisanaux, de les convertir dans les secteurs agricoles, en leur dotant des moyens. Et deuxièmement, créer les centres de négoce de Moussompo, où les Lualabais, c'est-à-dire les crèzes artisanaux, ont un cadre offert par l'État pour mieux vendre leurs produits, ne plus se faire avoir, par exemple, en termes de paysage, c'est-à-dire ça permet plutôt d'encadrer cette activité et d'éviter des conflits récurrents entre les entreprises minières et puis la population locale. Ça a créé des problèmes à un certain moment. Vous avez appris que c'était à Tenkefugoume, c'était dans plusieurs entreprises. Si on l'accuse d'avoir dans le fonctionnement des entreprises là. Aujourd'hui, ces problèmes a quasiment trouvé une solution. Mais c'est vrai que vous savez bien que à chaque fois qu'on veut transformer ou changer les choses, il y a toujours des gens qui sont réfractaires au développement, des gens qui maintenant vont critiquer, qui aiment les statu quo.
Ça, c'est une chose. La deuxième chose, les Lualaba, aujourd'hui, étaient connus comme étant une province à vocation minière. Le gouverneur Richard Mouyège a imposé une nouvelle donne. Aujourd'hui, les Lualaba commencent à devenir une province avec une grande vocation touristique, une grande vocation agricole. Aujourd'hui, au niveau des Lualaba, il y a des dispositions qui sont prises plutôt pour l'après-mine. C'est-à-dire quoi, les mines ne sont pas éternelles. Ça, les gens ont toujours oublié ça. Nous avons observé par le passé que lorsque une entreprise exploite une concession, des fois, ce sont des concessions où l'exploitation doit aller à plusieurs mètres sous terre. Et après, ils ne trouvent plus leurs produits, ils abandonnent ça, comme ça, avec des risques, bien entendu, de créer des éboulements et même de créer des morts pour des gens qui pourraient y aller. Aujourd'hui, au niveau de Lualaba, il y a toute une politique pensée pour l'après-mine. Et je ne parle pas des infrastructures. Je peux quand même ajouter quelque chose. La route d'Ilolo, fort depuis de 420 km, si je ne m'abuse, qui est presque en mi-parcours des travaux. Ça va permettre que nous puissions dans notre pays pour la première fois. C'est une route qui part de Kolwezi jusqu'à la frontière de l'Angola. Mais nous pourrons avoir les transports des marchandises de Lubumbashi ou même de Kasumbalesa, même de la Zambie jusqu'à Kinshasa, par la route. Et tout ça, il n'a hérité de personne. C'est lui le faiseur de tout. Non, vous savez... Il n'a pas hérité de Katumbi, il n'a pas hérité des anciens gouverneurs. Les routes, c'est lui qui les a créées. Absolument. C'est-à-dire, je vous ai parlé de l'état de la province à son arrivée. J'en parle comme un témoin oculaire. J'ai dit que j'en parle comme un témoin oculaire. Ça me rappelle les Saintes Écritures. Les apôtres ont bien dit au Sanhédrin que nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et comment et entendu. C'est-à-dire, ça, même si quelqu'un venait me braquer un revolver pour m'interdire de dire la vérité, je dirais, mais c'est tuez-moi. Parce que j'ai vu, j'ai palpé et je continue à voir. Je prendrai ma caméra un autre jour, j'irai, je poserai la question aux Lualabais qui ont vécu avant que Mouyège ne vienne et qui ont vécu pendant Mouyège et qui vivront après Mouyège. Je vous le souhaite vivement. Ce que vous pourriez faire, et je vais aller très loin, parce qu'il y a des images qui existent des Lualaba avant Mouyège. Vous êtes un journaliste, en dehors de votre profession de recevoir les gens, vous vous présentez aussi comme étant un journaliste d'investigation. Si. Sans vous orienter, allez-y même sur Internet. Allez-y là-bas, cherchez les images. Non, il faut qu'on aille physiquement. Des Lualaba, allez-y physiquement. Si je rentrerai en paix, bien sûr. Cherchez qui peut toucher à Christian Bossembe, sous l'ère Fatty Béton. De l'état de droit, vous voulez dire? Non, c'est dit sous l'ère Fatty Béton. Non, mais ça n'a rien à voir. Ne me parlez pas de l'état de droit. Vous êtes tendancieux. Ne me parlez pas de l'état de droit. Si, vous savez que... Oui, ne me parlez pas de l'état de droit. Alors, on revient. Mais alors, est-ce que, bon, pour terminer la question de Mouyège, vous n'avez pas parlé de l'éducation, vous ne parlez pas de l'emploi. Mais je vous ai dit ceci. L'éducation, c'est même le fer de lance de sa politique, parce que c'est un enseignant, lui-même, Mouyège, vous devez le savoir. Si je vous compte le nombre d'écoles réhabilitées aux normes internationales, au niveau... Tout à l'heure, je vous ai dit, il faut toute une émission. D'accord. Il faut vraiment toute une émission parce que si nous commençons à parler des réalisations des Mouyège, là, franchement, vous avez sur votre plateau, la personne indiquée pour en parler. Très bien. Vous avez beaucoup de moyens d'ailleurs ces derniers temps. Vous pouvez m'amener à la Colusie, on va aller voir ça. Les deux, on peut aller voir. Au moins avec vous, j'étais en sécurité. Je ne sais pas si les moyens sont offerts par qui, mais vous savez, un billet d'avion coûte 340 $. Oui. Et après 2-3 nuits d'hôtel, ça, on peut se permettre. Ah, si vous êtes là, je serai un moment. Donc, on peut l'organiser. Très bien. Peut l'organiser. Mais il n'y a pas que le Lualaba là-bas, Papi Tamba. Il y a aussi Tanganyika. Je ne sais pas si on appelle ça là ou le. Tanganyika a aussi un problème. D'abord, avant d'arriver à Tanganyika, est-ce que Mouyège a signé l'adhésion à l'Union sacrée? Avant de répondre à votre question, je dois d'abord commencer par préciser une chose. Il faudra que nous puissions comprendre la notion de la liberté d'adhésion à une certaine idéologie. Lorsque on est gouverneur des provinces, la Constitution dit que vous êtes représentant du président de la République. Être représentant du président de la République ne voudrait pas dire qu'il faut forcément être du même bord politique que lui. La liberté vous incombe. Pour savoir si vous pourriez, aux États-Unis d'Amérique, il y a des gouverneurs
républicain aujourd'hui alors que le président est démocrate. Il n'y a pas lieu de l'imposer à qui que ce soit. Mais je note, par ailleurs, que les gouverneurs ont fait ce qu'ils ont appelé une pétition devant le président de la République où ils ont fait leur déclaration d'adhésion à l'Union sacrée. Y compris pour sa vision, et c'est même Mouyej qu'il avait lu. Voilà. Donc comprenez par là que la question maintenant devient sans objet. Maintenant, est-ce que c'est une raison pour aujourd'hui que moi, Papi Tamba, je ne reconnaisse plus les valeurs de Mouyej? La réponse est clairement non. C'est-à-dire, je suis un témoin oculaire. Ça doit interpeller nos amis. Nous devons comprendre qu'à des moments précis, nous devons parler Congo sans passion. Ça va déranger Joseph Kabila? En quoi est-ce que ça peut déranger? Le fait que Mouyej rentre dans l'Union sacrée. Rien du tout. Et pourquoi Zoé n'est-il pas rentré? Mais attends, je vous ai parlé de la notion de la liberté. Mais ils sont tous deux gouverneurs. Mais, attendez, vous voulez dire que maintenant, tous les gouverneurs doivent absolument, tout simplement, éteindre leur liberté au profit, par exemple, d'une force qui voudrait qu'ils puissent... qui puisse adhérer à je ne sais pas quoi. Union sacrée, non, on ne dit pas je ne sais pas quoi, c'est union sacrée. Union sacrée, c'est la vision du président de la République. Alors, vous, le gouverneur est un représentant du président de la République. N'est pas adhéré à l'union sacrée, ça veut dire n'est pas adhéré à la vision du président de la République, alors on cesse d'être son représentant. Est-ce que la logique, c'est une Christian logique Christian Bossembe, oui. Je vous sais très intelligent. Oui, merci, modestement. Et je pense que cette question, vous la posez seulement pour la forme. Vous savez très bien qu'en ce qui concerne l'Union Bon Appétit, j'ai fait un effort d'appeler l'Union Sacrée. Oui. J'ai fait un effort d'appeler l'Union Sacrée pour respecter un peu votre ego. Mais ce que je voulais dire ici, sur votre plateau, c'est que l'Union Bon Appétit, c'est un fait privé dans l'État. Un peu comme la majorité présidentielle. C'est un fait privé dans l'État. Oui. C'est pareil. Deuxièmement, il n'y a aucune charte qui montre que l'existence de l'Union Bon Appétit. Un peu comme la majorité. À ces jours, la majorité avait une charte. Oui, mais l'Union Sacrée, vous attendez un peu, soyez patient. Non, la majorité présidentielle n'a pas eu une charte tout de suite. Attendez. Je n'ai jamais vu dans ma vie un bébé exister avant sa naissance. Je n'ai jamais vu. Non, mais le bébé porte toujours le nom après leur naissance. Non, j'ai dit exister. Ouais. Là, nous parlons de l'existence, on ne parle pas du nom. Ouais. On parle de l'existence d'un mouvement politique qui n'est pas encore né. Mais qu'à cela ne tienne, ce n'est pas mon problème parce que je ne me sens pas concerné par cette nébuleuse. Mm. C'est pourquoi je vous dis ceci. Quand nous parlons du chef de l'État, nous devons savoir que c'est une institution qui incarne l'unité nationale. Le chef de l'État doit tout simplement, je ne sais pas qui doit, le chef de l'État est tout simplement le président de tous les Congolais, de moi, Papi Tamba, qui ne suis pas de son bord politique. Et si aujourd'hui, je suis élu gouverneur pour, si j'ai cette chance-là, j'essaierai toujours, je vais toujours m'identifier au chef de l'État comme, entre guillemets, le père de la nation pendant les temps qu'il est au pouvoir. L'Union Bon Appétit, c'est un fait privé dans l'État qui n'a rien à voir avec les institutions. Cet amalgame qui commence à prendre des formes donne des larmes à nos yeux. C'est-à-dire, nous sommes en train d'observer des jurisprudences. Heureusement que nous allons corriger toutes ces jurisprudences quand cette nébuleuse n'existera plus, parce qu'il y a bien un moment où ils seront plus là. Un peu comme vous avez devons... 18 ans, vous êtes parti, on a corrigé les erreurs. Non, vous allez corriger aussi les erreurs des autres. Non, nous allons corriger toutes ces jurisprudences. Je vous ai parlé des jurisprudences. Nous qui? Nous, les peuples. Ah, ok. Nous allons corriger ça parce que ce sont des choses que nous n'accepterons pas pour l'avenir de notre pays. Nous observons beaucoup de choses qui se passe par les faits du prince, et des gens ont des biceps. Ils ont leur force, nous observons. Nous gardons seulement notre liberté de penser, comme avait dit Florent Pagny, mais nous n'avons pas les moyens. Moi, Papi Tamba, quel moyen j'ai pour essayer de contrer ce genre de choses? Je garde juste ma... Et même cette liberté de penser, on veut nous la voler. Est-ce que vous imaginez, c'est quand même grave. Vous imaginez ce que vous faisiez aux autres? Vous voyez comment... Vous vivez dans la peau de ceux-là qui non, vivent, non, qui subissaient Christian, tous vos excès. Christian, oui. Je vais vous dire une chose. Allez-y. Et je vais demander à ce que vous puissiez aussi faire vos vidéos baladaires, comme vous aimez bien les dire. Ouais. Ce que je veux vous dire, c'est quoi? C'est que moi, Papi Tamba, pendant plus de 8 ans dans ma vie, j'ai été un co-débatteur de plusieurs opposants de l'époque. Qu'ils aient raconté leurs histoires
à ceux qui voudront les écouter. Ils étaient en face de moi, quasiment 4 jours par semaine. Je connais leur prise de position. Je sais ce qui sortait de leur bouche. Les jours qu'on me montrera une seule personne après un débat télévisé avec moi ou avec d'autres, ou après une émission passée à la presse, et que cette personne a été inquiétée pour se retrouver à Makala, qu'on vienne me le montrer. Mais qui a été... Gabriel Mok, il y a des gens pour leur prise de position politique à la télévision, oui. Aujourd'hui sont à Makala. Qui, comme qui? Je vous parlerai d'Henri Magie. Oui. Je vous parlerai de Barnabé. Non, je vous parlerai de Pius et Jean-Sou. Vous parlez des excessifs. Vous savez, vous je ne parle pas des excessifs si, parce que les excessifs, nous en avons connu pire. Comme Christian. Comme qui, par exemple? C'est Papi Tamba qui est en face de vous. Oui. Je n'utilise pas votre plateau pour transformer cela en un tribunal. Si, je vous connais. Mais je vous dis ceci. Pendant la crise ou la guerre des M23, nous avons entendu des gens et moi en face d'eux qui, avec des arguments à peine compréhensibles, ont indexé le président Joseph Kabila, et certains même avaient même dit que la meilleure chose à faire dans ce pays, c'est de tuer Joseph Kabila pour que la guerre puisse s'arrêter à l'Est. Oui. C'était en face de moi qu'ils ont dit cela. C'est le nom que vous connaissez. J'ai dit, je ne vais pas utiliser votre plateau comme étant une tribune. Mais les hommes que vous citez, comme tout le monde tribunal. A vu, tout le monde a entendu. Moi, je vous dis ceci. Non, je ne vous parle pas des histoires passées et aujourd'hui. Oui. Ce ne sont même pas des histoires que nous pouvons encore évoquer. Ah, moi, je parlais de vous qui ont été arrêtés après les émissions. Vous savez, il y a même tué même après. Moi, je connais Gabriel Mok, c'était juste pour... parce qu'ils se sont bâtis sur les plateaux. Et Daniel Safou, maintenant vous, si vous, c'était pas sur un plateau télé. Moukébaï, c'était après des c'était émissions. C'était pas avec des émissions. Non, mais bien sûr. Les plaintes en ce qui concerne la plainte de Moukébaï venait de Laurent Monsem. Oui. Vous le savez, quand il était en prison. Mais on connaît les méthodes. Daniel Safou, quelle méthode? C'est-à-dire, vous imputez à Monsem la responsabilité d'être des connivences. C'est vous qui le dites. Avec les non, parce que vous dites que vous connaissez nos méthodes. On connaît les méthodes. C'est-à-dire, Laurent Monsem avait comploté avec le président Kabila pour faire arrêter Daniel Sefou. Moi qui vous parle, moi-même qui vous parle. Dans votre conscience, dans votre conscience, moi je vous parle des personnes physiques. Mais vous, et moi en face de vous, je suis un témoin oculaire. Peter Tiani. J'ai dit je suis un témoin oculaire. Oui. Bref, je suis en train de noms des gens. Hein. Attendez. Ce ne sera pas important. Attendez. On citera beaucoup de noms des monsieur, gens. Monsieur Christian, j'ai commencé l'émission avec vous il y a quelques minutes déjà. Je n'ai diffamé personne. Oui. Une émission télé ne couvre pas d'humilité des gens qui participent à cette émission. Je ne viens pas dans un plateau de télévision pour diffamer les gens. Si je l'ai fait, les gens seraient en droit de me porter plainte. Voilà. Parce qu'ils m'ont diffamé. Voilà. Mais là, je vous parle des gens qui sont arrêtés sans plaignant. Dites-moi qui est le plaignant de Henri Magie. Dites-moi qui est le plaignant, comme je suis en train de vous dire, qui a porté plainte contre Henri Magie si ce n'est pas le procureur pour le compte de l'État. Dites-moi qui a porté plainte contre Barnabé si ce n'est pas le procureur de la République pour les comptes. Oui, mais pourquoi voulez-vous qu'il y ait des plaignants? Non, je suis en train de vous montrer la différence. Non, le parquet. Je suis en train de montrer les différences et je peux vous le dire que ce sont des choses qui sont extrêmement ridicules dans une démocratie, mais passons. Non, passons parce que vous voulez. Non, passons. Moi, je voudrais. D'abord, passons parce que je ne suis pas sur votre plateau. Vous avez improvisé la question. C'est pourquoi, quand vous avez insinué la notion de l'état de droit, je l'ai balayé des revers de la main. Je voudrais qu'on signale. Papi Tamba, on peut refuser tout de vous, mais vous êtes un excellent co-débatteur. Depuis que je vous suis, vous n'avez jamais insulté, vous n'avez jamais dénigré, vous n'avez jamais tenu de propos. Merci, je dirais alléluia. Ça, je sais, ça, je reconnais. Merci beaucoup. Même si, intelligemment, vous avez des invectives que vous lancez, genre, mais vous n'avez jamais fait comme les autres qui le font. D'accord, revenons maintenant sur Zoé Kabila. Zoé Kabila, pourquoi la presse, une certaine presse, vend Zoé Kabila comme une victime, alors que la question de Zoé Kabila devait être réglée au niveau de sa propre province. Il faut poser la question aux députés provinciaux, s'ils sont d'accord avec lui ou pas. Pourquoi on essaie de mettre Zoé sur une chaise éjectable à laquelle le président tiendrait les manettes? Vous savez, c'est peut-être un problème de communication, je ne sais pas. Oui. Depuis Kinshasa, un jour, on voit une vidéo où on dit que la délégation, une délégation de l'Union Bon Appétit, s'est rendu au Tanganyika pour identifier la majorité au niveau de l'Assemblée provinciale. Les mots dans notre pays n'ont plus de sens. C'est-à-dire quoi? L'identification. Un fait privé dans l'État,
se déplace sous couvert d'être envoyé par les chefs de l'État, c'est du moins ce qui a été dit dans leur communication. Oh, dans leur communication. J'ai dit dans leur communication. Oui. C'est pourquoi je dis, faudrait-il encore les vérifier. Mais dans leur communication, présenter les choses de cette manière, je vis une fois, quand les prêtres ont fait leur déclaration, il y a Abraham Lokobanga, mon ami Abraham, que je salue, qui s'est permis, au nom de la présidence de la République, de faire un communiqué. Il n'a pas fallu plus de 72 heures pour qu'il puisse être évincé. C'était ça le message de la présidence de la République. C'est le message de la République a montré par cet acte que nous ne sommes pas solidaires à ce que Abraham Lokobanga, plutôt, excusez-moi, à ce que Abraham Lokobanga a fait ou a posé comme acte. Nous ne sommes pas solidaires. Mais quand maintenant cette fameuse délégation se présente au nom du chef de l'État, et jusqu'à ce jour, aucune réaction. Que voudrez-vous que Papi Tamba? J'avoue, M. Christian, que j'ai une grosse tête. Mais j'ai du mal à comprendre une telle démarche. Mon cerveau n'a pas de place pour le comprendre. Un fait privé dans l'État, mais qui va se déplacer pour identifier une majorité dans l'État. Même sous les MPR, nous ne l'avons pas connu. Oui, mais vous n'allez pas maintenant, réfléchir sur base des réseaux sociaux. Nous devons... Non, ce ne sont pas des réseaux sociaux, oui. C'est des déclarations. Mais qui? Mais de la délégation... Ce sont des gens qui sont identifiés. Mais c'est ça que je suis en train de vous dire. Je ne dis pas qu'ils ont été mandatés. Oui. Mais je suis en train de vous dire qu'ils se sont présentés au nom de quelqu'un. Oui, mais alors... Pourquoi j'ai fait le parallélisme avec ce qu'Abraham Lokobanga a posé. Non, Abraham est dans un corps constitué. Non, vous savez... Cette délégation n'a pas un corps, n'a pas de corps, n'a pas de physique. C'est des hommes à individus libres. Et Christian, puis, on ne peut pas parler sur ça. Si votre plateau, oui. Comme je suis en train de faire l'émission avec vous, oui. Si j'essaye tout simplement de m'identifier à la présidence de la République pour porter un message qui énerverait la loi, je ne sortirai pas de cette porte. Si, parce que vous aurez enfreint la loi, tout simplement. Vous avez répondu à la question. Oui. Passons. Mais nous sommes... Vous savez, aujourd'hui, j'ai une nouvelle... Vous avez répondu, et je suis un peu comme le Parlement du rire aujourd'hui. Ouais. À un moment comme ça, ils disent, bon, la suite. Oui, mais la suite, ça reste la même suite. Chose. Oui, la suite reste la même chose. La suite. Nous sommes au niveau du Tanganyika toujours. Qu'est-ce que vous retenez de Zoé Kabila là-bas? Vous savez... Pour les Tanganyika, je ne suis pas un témoin oculaire. Ouais. Par la force des choses et avec les temps, je commence à parler avec force des choses pour lesquelles je suis témoin oculaire, comme je peux en parler pour les lois là-bas. Dis-moins, néanmoins, dans les réseaux sociaux, j'essaye de voir des réalisations. J'entends des témoignages à gauche et à droite. Et je les considère, je les tiens pour tout simplement des réalisations de grande envergure. Maintenant, je reviendrai sur votre plateau pour en parler maintenant avec force. Il sera plus là, il sera une fois, bonheur, on dirait. Vous savez, je vous ai parlé des œuvres d'une personne qui continuera à parler même après son éventuel départ s'il doit partir. Même mouillage aussi, d'ailleurs. C'est que, peu importe, moi je vous parle des réalisations. Vous savez, nous sommes en train de vivre des choses qui ont un début, qui ont leur fin. Un peu comme vous, vous avez eu... Qui auront l'air fin. Alors, on revient sur, sur l'actualité. Voulez-vous qu'on en parle de l'actualité maintenant? Après, non, il n'y a pas de souci, mais un petit mot pour les lois là-bas. Oui, allez-y. Je voudrais juste dire à toutes ces personnes-là, parce que nous essayons de voir plusieurs personnes aujourd'hui dans les médias, visiblement, je ne confirme rien, mais visiblement envoyées par certains laboratoires pour salir la personne du gouverneur, Richard Mouyej, jusqu'à dire des choses depuis 20 invrais semblables. Ces gens-là doivent savoir une chose. C'est que quand l'IGF fait son travail d'audit, l'IGF ne présente aucune conclusion avant de confronter les parties. Il ne suffit pas seulement de voir l'IGF auditer le compte d'une province pour penser que directement il y a des problèmes au niveau de cette province. À ce jour, il y a des questions bien précises de l'IGF qui sont sur la table du gouverneur Richard Mouyej qui commencent à se rétablir. Qu'on comprenne une chose, c'est que
sur autorisation du gouvernement central. Il est parti pour question des soins. Le gouvernement central ne s'aventure pas avec elle, ne peut pas s'aventurer avec ce genre de choses pour autoriser la sortie d'un gouverneur pour question des soins s'il n'était pas malade. Il devrait d'abord se montrer humain. Ils ne savent pas dans quel état le gouverneur Mouyej a voyagé. Et ils ne savent pas pourquoi jusqu'à ce jour, des médecins, on dirait congolais, les gens vont se dire que voilà, peut-être et peut-être, parce qu'on veut toujours négliger notre pays. Mais ce sont les médecins sud-africains, s'ils les retiennent. Je l'ai dit ici, que nous avons aussi des rumeurs. Je dis bien, des rumeurs. Je n'ai pas son attestation médicale pour l'attester, mais les rumeurs nous parlent d'un empoisonnement. De Mouyej. De Mouyej. Je crois que dans la vie, on ne tire pas. C'est une personne qui est malade. C'est non sur une ambulance. Que dites-vous de... On ne tire pas, ce n'est pas une ambulance. Oui. J'ai dit une personne qui est malade, ne transforme pas mes propos. Ceux-là qui les font, pour moi, ils n'ont pas d'hygiène mentale. Ils n'ont tout simplement pas d'hygiène mentale. Désormais, nous allons exceller dans l'exercice, hein, tout simplement de démontrer la déraison de leurs pensées. Très bien. Je voudrais poser une question, toujours sur Mouyej. La question m'est revenue, mais je n'ai pas beaucoup d'éléments sur, j'avoue, pas beaucoup d'éléments sur la question. On présente, une certaine presse présente Richard Mouyej comme un prédateur sexuel, qu'il aurait harcelé une femme, qui serait en train de maltraiter certaines femmes. C'est pourquoi je dis que je n'ai pas beaucoup d'éléments. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur cette question? Avez-vous entendu cette rumeur-là? Si oui, pouvez-vous nous éclairer? Sinon, on laisse passer. Ce sont des attaques de bas étage, en dessous de la ceinture qui vient de partout. Il n'y a pas que ça. Vous savez, à force d'en faire, ils perdent toute crédibilité. Quand nous suivons ces gens, nous sentons l'acharnement et nous sentons la haine. Pourtant, il y a une dame qui aurait la haine contre qui? J'ai dit bien la haine contre... Vous savez, vous êtes un homme. Vous êtes en train de prendre de l'ascenseur chrétien. Ce genre de choses, il faut faire très attention avec ça. Demain, ça risque de vous arriver parce que vous pouvez devenir journaliste et millionnaire. Et ça peut vous arriver. Nous ne devons pas, dans notre pays, bloquer ce qui marche juste parce que nous n'aimons pas une personne ou parce que, pour des raisons inavouées, nous voulions voir même la mort d'une personne. Ce n'est pas... C'est pas congolais. Mouyej serait plus riche que sa province? Non, nous parlons de... Je ne sais même pas cette question, si ça rime à quoi. Moi, je vous parle de la vision et des réalisations de Mouyej sa province. Mais on l'accuse aussi en même temps de faire beaucoup d'argent. C'est ce que les gens disent. Est-ce qu'il a plus d'argent que la province? Vous savez, je vais vous répondre par des accusations des réseaux sociaux. L'actuel chef de l'État, ça fait 2 ans qu'il est au pouvoir. Je suis des vidéos, des fois, dans les réseaux sociaux, où on les présente comme étant, je vais même dire, les plus riches de l'Afrique, avec des maisons qu'il achète tous les jours. Croirez-vous à ça? Mais vous savez que ce n'est pas vrai, de toute façon. Donc, si vous avez répondu pour lui, répondez la même chose pour Mouyej. Vous voulez que je réponde la même chose pour Mouyej? Non, répondez la même chose pour Mouyej, parce qu'un gouverneur ne peut pas être plus riche qu'un président de la République. Non, on ne dit pas plus. Non, j'ai dit répondez. Je suis en train de vous dire, vous avez répondu à la question dans un sens, répondez aussi à la question dans l'autre sens, comme on le dit au Parlement de rire, la suite. Non, mais la suite, c'est vraiment véritablement ça. Donc, vous dites que M. Mouyej, c'est une fausseté, hein, on raconte des histoires. Attendez, vous avez répondu à ça? Oui. C'est pourquoi je vous dis la suite. Non, vous avez... qui a répondu à quoi? Vous savez, je vous ai arraché la réponse non, de votre pas bouche. Du tout. Alors, pas du tout. C'est-à-dire... Vous dites que le, si le président est plus comment, riche, comment le président non, va être plus riche? Réfléchissons un peu, réfléchissons. Comment un individu, gouverneur d'une province soit-elle, peut être plus riche qu'une province qui a des ressources? C'est-à-dire qu'il y a des choses dans la vie auxquelles on ne peut même pas s'attarder à répondre. C'est l'œuvre et la méchanceté humaine. La suite. La suite. Revenons sur l'actualité maintenant. Nous avons aujourd'hui, vous ne croyez pas à l'Union Sacrée, vous l'appelez l'Union Bon Appétit. De quel œil avez-vous vu cette révolution parlementaire? Il n'y a pas eu de révolution parlementaire.
Il n'y en a pas eu. Il y a eu quoi? La suite. Non, franchement, on ne va pas continuer. Par la suite, sinon je risque de la titrer émission la suite. Ça, finalement, qu'est-ce qui s'est passé selon vous? Comment, papi, tous les Congolais le savent. Voici vous savez question, voici ce qui me taraude à l'esprit. Voilà. Comment le PPRD, le FCC, 18 ans de règne, mais vous tombez facilement comme ça. En l'espace d'une seule année, vous tombez et vous perdez tout. Au point que vous êtes même incapable de vivre à Kinshasa. Vous allez vivre dans une ferme, dans le Katanga. Expliquez-nous cette force là, que vous avez montrée. C'était quoi la réalité? Christian, c'est pourquoi je vous avais au début. Non, la question telle que vous la posez reflète vos tendances. Non, pas du tout. Mais c'est que je voulais seulement que vous sachiez. Je représente une opinion. Et presque partout au monde. Presque partout au monde. Les anciens présidents de la République, généralement, se retirent la capitale. Oui, c'est vrai. La première partie de la question, elle est vraie. Merci beaucoup. La deuxième partie. Pour la deuxième partie, il y a une particularité en ce qui concerne les PPRD ou même les FCC. Ce sont des organisations politiques qui sont nées au pouvoir. C'est ça la grande particularité. Vous savez, aujourd'hui, l'Union Bon Appétit aussi naît au pouvoir. Nous avons l'expérience aujourd'hui. Nous savons comment ça va finir. Nous savons aujourd'hui avec certitude comment maintenant filtrer les politiciens engagés et non engagés. Pouvez-vous imaginer un seul instant? Moi, je l'ai dit, et c'est une position que je défends, même au Congrès. Comment peut-on expliquer que certains signataires du statut du PPRD, cofondateurs, ont quitté le PPRD et le PPRD va continuer à garder les mêmes formats? L'imitation s'impose. L'esprit kabyliste est là et cet esprit kabyliste ne mourra jamais. Mais au niveau des organisations, des hommes, nous avons aujourd'hui des gens pleinement engagés pour une cause et pour un idéal. Ceux qui sont partis, ils sont partis pourquoi? Parce que les PPRD et les FCC ne sont plus au pouvoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils n'étaient pas préparés à un combat pour le peuple. Ils n'étaient pas préparés. Ils sont partis pour des raisons qui leur appartiennent. Et j'ai répondu à votre question en disant, la suite, c'est parce que je n'ai pas voulu m'étendre sur toutes ces aventures que nous avons observées. Ce qui était des problèmes pour nous hier ont tout simplement été transposés à l'Union Bon Appétit, ça sera des problèmes pour eux demain. Aujourd'hui, nous vivons les rajeunissements de la classe politique. Avec les défavorisés de l'époque. Je suis en train, vous parlez des défavorisés de l'époque, c'est votre mot, moi je ne l'ai pas prononcé. J'ai dit tout simplement, je prenais date à ce que j'ai dit, quand vous aimez bien faire le monitoring. Aujourd'hui, nous avons des problèmes, c'est vrai, nous ne pouvons pas les contester. Mais dans les méandres de ces problèmes, il y a des gens comme Papi Tamba qui se comptent, nous sommes très nombreux. Nous serons là et nous allons remonter. Mais ce papy qu'on n'a pas fait faire rebondir. De lui un ministre. Nous allons rebondir. Ça, c'est votre polémique. Alors qu'on a servi ceux qui allaient partir. Est-ce que vous ne vous trouvez pas un peu gêné ça, dans ça? C'est peu... En fait, est-ce que vous je ne répondrai pas à votre question si je n'étais pas gêné. Je suis gêné d'autant plus que, comme je suis en train de vous dire, que les PPRD et les FCC sont nés au pouvoir. Oui, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont réussi à duper les gens par leur engagement. Certains avaient des discours très forts qui pouvaient faire croire qu'il pleuve ou qu'il neige, ils seront toujours là. Certains parmi eux. Mais il a suffi juste d'un seul champ de coq. C'est ce que je suis en train de vous dire. Ce n'est pas ma vision de faire la politique. De quel œil Kabila voit-il? Vous savez, je vais un peu, avant de répondre à votre question, j'ai ma chance à moi, et j'ai béni Dieu pour ça, c'est d'avoir longtemps vécu en Europe. Moi, quand je suis arrivé en Europe, François Mitterrand était président. Après François Mitterrand, il était la gauche. Après, c'est la droite avec Jacques Chirac. Et plus tard, après Jacques Chirac, c'est Sarkozy. Et après Sarkozy, c'est François Hollande. Et là, Macron, vous n'étiez plus là. François Hollande, oui, c'était un an avant. Oui. Parce que je suis arrivé à Kin en 2011, lui, c'était en 2012. C'était un an avant, un an après mon retour au pays. Aujourd'hui, c'est Emmanuel Macron. C'est-à-dire, j'essaie de comprendre que le pouvoir des hommes, c'est un pouvoir cyclique. J'essaie de les comprendre. Je ne peux pas m'emballer parce que nous perdons les pouvoirs. Je vis des gens perdre les pouvoirs et les reprendre. Maintenant, ce que je sais, c'est qu'il faut travailler dur pour récupérer un pouvoir perdu. Ah, vous assumez aujourd'hui que vous avez perdu ce pouvoir. Je suis très, très heureux de l'entendre. Mais attendez,
Je vous ai dit ceci. Oui. Que les PPRD et les FCC sont nés au pouvoir. Bon, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la phrase. Mais là. C'est ce que je vous dis. Mais je ne suis pas là pour nier les évidences devant vous. Ah d'accord. Parce que... Parce que ceux-là qui étaient présentés comme étant les bourreaux, les pignons, plutôt pas les bourreaux, comme étant les pignons, plutôt les piliers, excusez-moi, du FCC, ces piliers-là ont tout simplement montré qu'ils n'avaient pas d'engagement dans leur façon de faire la politique. Est-ce que vous vous dites est-ce que vous dites un peu au fond de vous, mais si Kabila m'avait donné la chance d'être là, mais je serais tellement fort. Voilà qui ont donné la chance aux roublards, ils sont partis sans regarder rien. Vous savez, dans la vie, j'aime beaucoup les Saintes Écritures. Oui. La Bible dit que chaque chose a son temps. Oh, d'accord, ok. Je vais paraphraser l'effet Simon Romassia. Il avait dit, c'est dans la chanson « Au bénite ». Yo moko poni, nzela wana. Na tombe lio, bonne chance. Mais pas yo ok. Au salaye, et le gosaini. Au salingaïte. Moi, je trouve ça va n'y pas. Tenabi, je paraphrase seulement. Et pas ok, au salaye, nenge, au salingaïte. Nabi, au salaye, nenge, au salingaïte. Je veux savoir, Kabila a dit quoi dans tout ça? Papi Tamba, vous n'avez aucune idée du rêve que j'ai. De poser des questions à Joseph Kabila. C'est mon rêve le plus fou. Vous voulez qu'on organise ça? Oui, bien sûr. Je voudrais le rencontrer et ça sera ma plus belle interview, peut-être ma retraite en même temps. Je voudrais qu'il me dise de quel œil il regarde le politicien congolais. Lui qui a fait des hommes de roi, aujourd'hui ces hommes lui ont tourné le dos. Je voudrais qu'il nous dise comment il voit, comment il vit ça dans sa chair. J'en fais une préoccupation personnelle. Ça serait un grand plaisir. J'ai dit, j'en fais une préoccupation personnelle. Alors, mais vous, dites-moi, parce que vous l'avez côtoyé, parce que vous le connaissez, comment il vit ces moments? Encore plus déterminé qu'hier, mais déçu quand même. Déçu par rapport à tout ça? Bien sûr. Comment Kabila voit... Il reste un homme. Comment Kabila voit Félix Tshisekedi? Ça, je ne sais pas. Selon vous? Ça, je ne sais pas. Vous n'avez jamais parlé avec lui sur la question? Non, ça, je ne sais pas. Vous devrez, même si vous n'avez jamais approché l'homme, vous pouvez au moins comprendre l'homme dans la pénombre de ce qu'on dit. Ce sont des choses qu'il n'abordait pas. Est-ce que les rumeurs qu'on apprend, selon lesquelles Kingakati serait vandalisé, que les antilopes seraient tuées par des policiers qu'on a envoyés là-bas, est-ce que ce sont des choses vraies ou c'est juste des racontards de réseaux sociaux? Je ne peux pas me permettre d'affirmer ou d'infirmer. Je l'ai suivi à peine dans les réseaux sociaux. Mais c'était fait, c'est fond de méchanceté. Ouais. Et quand c'est méchant, les contenus ne m'intéressent plus. La société égale d'Olive Lembe, selon certaines personnes, je parle de M. Noël Tiani, qui demande à corps et à cri de bien vouloir nationaliser cette société-là, parce que selon lui, cette société aurait bénéficié des avantages de l'État. Et Kingakati, en même temps, nationalisé aussi comme un patrimoine national. Qu'est-ce que vous répondez à cette opinion-là? Vous savez, c'est quand même malheureux de voir un jeune transpirer la haine, comme c'est son cas. Je parle de Noël Tiani, pas Peter Tiani, Noël Tiani. Ah, le candidat, Noël Tiani. Oui, Noël Tiani, le candidat président. C'est quand même ridicule. Kingakati, vous ne parlez de Kingakati. La première concession de Kingakati a été achetée en 1998. 98. Okay, ou 98 chez nous. Ouais. Le président Joseph Kabila est encore chef d'état-major général de l'armée des terres. Il achète la première partie. Ah, lui-même ou son père? Non, lui. Ah, d'accord. C'est sa propriété. Ok. C'est-à-dire sa famille. Ouais. Après, Kingakati se lance dans des activités. Quand on sait gérer une société, on comprend la notion de la récapitalisation. Vous faites de l'agriculture, vous faites des activités, vous avez des dividendes de votre activité, vous rachetez une deuxième partie des terres, et ainsi de suite. Ce que vous voyez à Kingakati, de 1998 en 2021, je peux vous le dire, c'est 20, en calculant rapidement, oui. C'est plus de 20 ans de travail soutenu et de l'évolution progressive. Ce que vous voyez aujourd'hui. Tous les documents sont en règle depuis la première concession. Il n'y a rien qui a été acquis sans payer les droits et taxes de l'État ou sans que cela ne soit payé. Il n'y aura jamais de chefs coutumiers qui vont se revolter. C'est pourquoi aujourd'hui, ils vivent déjà dans Kingakati. Quand vous allez à Kingakati, il y a des villages
entiers, c'est-à-dire pas des villages, comme je dis, bon, appelons ça la même comme ça, qui sont à l'intérieur même des Kingakati où les gens vivent. Des voisins du chef. Mais depuis très longtemps, pourquoi? En vendant la terre, ils avaient un accord qui s'est fait dans les droits coutumiers. Nous vous vendons la terre pour telle activité, mais vous nous laissez comment? Vivre ici. Et ils vivent là depuis très longtemps. Kingakati aujourd'hui, vous pouvez aller visiter un jour, vous n'avez pas besoin d'un guide, parce que vous payez votre droit d'entrée pour tout visiter. Ça génère de l'argent à travers la société Espoir de la famille Joseph Kabila. Leurs comptes ont déjà été audités plusieurs fois. Parce que comme vous pouvez bien imaginer, les gens ont toujours tendance à avoir de la haine ridicule envers des gens qui devaient être cités en exemple. Citer en exemple pourquoi? Très rarement, nous avons vu des présidents en Afrique développer des activités progressivement et continuer à vivre de leurs activités après qu'ils quittent les pouvoirs. C'est généralement quand ils n'ont rien fait. Que vous ne savez pas. C'est ce qui choque quand vous êtes un président et que vous n'avez pas laissé des fermes au niveau du pays, pas des parcs, enfin, pas le parc qu'on en a, pas des zoos en bonne santé, en bon état, pas d'infrastructures sérieuses comme c'est le cas. Alors, les gens se disent, mais pourquoi Kingakati reste la meilleure ville du Congo alors que Kabila a été président pour kingatiser toute la RDC? Vous mais lui, il a congolisé Kingakati. Voilà, vous n'avez jamais été à Kingakati, oui, pour jamais, dire que... jamais été là-bas. Alors, vous ne pouvez pas affirmer que c'est la meilleure ville du jamais. Congo. Kingakati garde, Kingakati garde les méandres d'un site touristique. Mais je vais vous dire une chose. Je vais vraiment vous dire une chose. Le monde est en train de développer dans le cadre d'une économie libérale. Ce que vous dites est vrai dans plusieurs autres pays. L'initiative privée est à saluer. Parce que l'initiative privée permet la pérennité même ou de garder des infrastructures très propres et de permettre la pérennité d'une activité s'il y a une bonne gestion. Aujourd'hui, la ferme Espoir ou Régal, comme vous les citez, légal plutôt, c'est des milliers de Congolais qui y travaillent. Aujourd'hui, ça serait des milliers de Congolais qui se retrouveront au chômage. Maintenant, la politique menée par Joseph Kabila à la tête de ce pays. Vous, Christian, vous avez vos propres lunettes. Vous connaissez les magasins où vous allez les acheter. Mais je peux vous le dire que si aujourd'hui nous avons des sites malgré la rébellion comme le parc de Virunga, qui est plus prestigieux que Kingakati, si ça tient aujourd'hui, c'est par les faits de la politique menée par Joseph Kabila. Sauf que vous ne le voyez pas alors que vous êtes des Goma. Si, mais Kabila... Non, vous êtes de là. Si, vous t'a laissé ça aussi. C'est ce que je vous dis. Vous ne savez pas dans quel état il s'est retrouvé. Vous le savez, vous êtes des Goma. Vous ne pouvez pas. Si, si. Vous ne pouvez pas les donner ici. Qui ont fait ça? Nous connaissons qui ont fait ça. J'ai dit ceci. Dans quel état? Dans quel état? Et vous, vous parlez des vieux. Moi, je ne vous parle pas de ça. Donc, c'est pourquoi je suis en train de dire, vous avez votre magasin où vous allez acheter vos lunettes. Moi, je ne suis pas demandeur de ces magasins parce que je n'irai jamais dans ces magasins-là. La suite. La suite. Et on termine même pour cette émission. Comment comptez-vous reprendre le pouvoir? Est-ce que vous pensez récupérer le pouvoir? Parce que dans vos statuts, que je suis tous les jours d'ailleurs, vous appelez à corps et à cri aux élections 2023. Je voudrais savoir quelles sont les garanties que vous avez que vous allez reprendre ce pouvoir en 2023 par la voie des élections. Est-ce que vous pensez que... récupérer, plutôt appeler aux élections, voudrait absolument dire que son candidat soit élu. Monsieur Christian, vous aimez ce pays. Je peux vous le dire que nous avons atteint un niveau où nous ne pouvons plus tolérer dans ce pays un système qui ne permettrait plus d'arriver au pouvoir en dehors des élections crédibles. Vous pouvez éviter une fois, deux fois, trois fois une catastrophe, mais la quatrième fois risquerait d'être une catastrophe de trop. Dans notre constitution, depuis son exposé des motifs, on a posé la question de la légitimité des institutions pour éviter de revivre certaines situations. La légitimité n'a pas de meilleur cadre pour la comprendre que par les élections.
Nous avons un président de la République qui a été élu avec 33% des voix, ou 37, si j'ai bonne mémoire. 38, je crois. Ou 38. Donc, ça veut dire, il n'y avait que 18 millions de votants, si 40 millions enrôlés. Comprenez-vous le nombre de Congolais qui restent, qui, eux, n'ont pas voté et ne se sentent pas concernés par la situation des élections de 2018. Ouais. Il est important aujourd'hui que nous nous tendions vers des élections crédibles pour enlever les prétextes de certaines accusations. On est élu, on a 1825 jours, c'est-à-dire 5 ans pour faire son travail. Que ce soit moi, je suis le premier à le dire, si aujourd'hui, je n'aurai jamais cette chance jusqu'à ma mort. Mais si j'ai la chance d'être élu président de la République un jour... Pourquoi vous ne serez pas élu? Je ne serai jamais candidat président. Ah, d'accord. Donc voilà. Je l'ai dit le plus simplement du ouais. monde. Et pour ça, je vais paraphraser le chef de l'État qui l'a dit à Bruxelles. Oui. Il a dit à Bruxelles que je ne sais pas comment des gens font pour faire des mandats. Pour faire plus de deux mandats, il a dit ça. Non, plus de deux mandats. Il a dit, non, plus il a dit autre chose. Non, non. Par rapport à ces... Non. Je ne fais que citer. Si, on a tous... Je ne fais que les citer. Il a dit, parce qu'à la fin, pour préciser, c'est lui qui l'a sorti, qui ne sait même pas s'il va se présenter pour un deuxième mandat. Ah oui, donc, il ne peut pas dire ça. Ça, il l'a dit. Donc, il ne peut pas parler de deux mandats. C'est lui qui le dit, c'est un président de la République. Je n'ai jamais été président de la République. Il sait pourquoi il le dit. Ça veut dire qu'il connaît la difficulté de la tâche. Lui, il le sait. Au Congo, nous avons l'habitude de balayer les déclarations des gens d'un revers de la main sans analyser la profondeur de ce que la personne a voulu dire. Donc, moi, je vais déjà, moi, parce qu'il a parlé de la santé, comme entre autres comme argument. Moi, personnellement, en tout cas, je vais déjà les fuir avant. C'est-à-dire, je comprends qu'on peut vivre sans être président de la République. C'est pourquoi j'ai dit que je n'aurai jamais cette chance d'être président de la République. Mais est-ce que Kabila Joseph reviendra? Est-ce qu'il va revenir? Vous savez, vous posez une question puisque vous souhaitez l'interviewer, je pense qu'il peut suivre notre émission et se montrer ouvert à votre demande. Et quand vous lui poserez cette question, il aura la réponse à vous donner. Déjà, en 2018, nous avons spéculé jusqu'à la fin. Et pourquoi je ne vais pas considérer cela comme étant une leçon pour ne plus parler à sa place? Ok, on termine cette émission avec le PPRD. Les jeunes du PPRD disent qu'ils ne veulent plus entendre parler des Chadari, sinon du directoire, ils ne veulent plus entendre parler. À la place, ils proposent un autre nom. Et puis à un moment donné, on a suivi, c'était l'absence du leadership. C'était Némi Mulanya qui était accusé, Chadari qui était accusé. Mais c'est vrai, à un moment donné, j'avais très envie d'entendre la voix des Papi Tamba, le célèbre papy. Je voulais entendre parler, mais je ne vous ai pas entendu parler de ça. Parler de ça? Oui, comment ça se passe? Quel est votre point de vue sur la question? Bon, peut-être vous n'avez pas suivi. Oui, peut-être. Mais j'ai exprimé. Ah d'accord, dites-nous. Vous savez, les changements au sein d'un parti politique, hein, s'il faut des changements en profondeur, ça ne peut pas se passer dans un autre cadre que le Congrès. Moi, je suis légaliste. Je n'ai pas de jugement de valeur à émettre par rapport à ce que les uns et les autres peuvent dire, mais je considère que ce sont des mouvements anarchistes. Et comme ce sont des mouvements anarchistes, dans les contextes politiques actuels, je suis en droit de penser qu'il y a aussi la manipulation. Moi, je m'inscris en légaliste. Les combats que ces jeunes peuvent mener, s'ils le veulent, c'est peut-être de demander la tenue d'un congrès. Et je sais que le congrès est inéluctable. Nous n'irons jamais vers des grands enjeux sans les congrès. Et les choses vont devoir se définir au congrès. Il y a une autre chose qu'il faut savoir, c'est la notion de la responsabilité qui fait défaut en République démocratique du Congo. Ça, je vais parler du FCC. Chadag était certes candidat président de la République en tant que secrétaire permanent du PPRD, mais il était noyauté au sein du FCC parce que c'est le FCC qui avait porté sa candidature comme indépendant. Quand vous échouez dans la vie, il faut tirer les conséquences de votre échec. On ne gagne pas dans tous les coups, comme on n'échoue pas dans tous les coups. Vous perdez. C'est simple, vous démissionnez. Ça ne fait pas de vous un mauvais dirigeant. Ça fait seulement de vous un dirigeant responsable. Vous comprenez? L'autorité morale, en l'occurrence Joseph Kabila,
était président de la République. Il ne pouvait pas porter la candidature de Chadari pour que nous puissions l'indexer pour dire qu'il peut aussi avoir la responsabilité dans son échec dans les mouvements politiques et un fait privé dans l'État. Parce qu'il ne pouvait pas les faire en tant qu'un ancien président de la République. Néhémie devrait d'initiative, n'est pas attendre 2 ans. D'initiative, il devait démissionner de lui-même. On l'a attendu et aujourd'hui, il porte sur lui les poids, même de certaines choses qui se sont passées après 2019. Sur les plans, c'est dans l'histoire, il n'a pas laissé de bonnes traces. Quand les historiens parleront du FCC, son nom n'aura pas de qualificatif glorieux, malheureusement. Moi, je ne voudrais pas qu'un jour, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un journaliste tshisekédiste qui me fait des éloges sans être d'accord avec mon camp. Quel est ce journaliste? Je n'ai pas cité son nom. J'ai dit seulement que j'ai cette chance-là. Oui. J'ai cette chance-là d'avoir ce journaliste. Ça veut dire quoi? Demain ou après-demain, dans mon horizon funèbre, si je devais mourir, parce que nous mourrons tous un jour, si ce journaliste devait prendre la parole, il fera des éloges et il reconnaîtra mon combat au sein du PPRD. Même s'il dit que je n'étais pas d'accord avec elle, avec le PPRD. Ça veut dire quoi? Nous devons seulement être des responsables. Pourquoi pendant environ un an et demi, je me suis tué? On a échoué aux élections. On avait un discours. En échouant aux élections, ça montre que le peuple ne l'a pas consommé. Il fallait d'abord se mettre un peu à l'écart, ne faire peut-être que quelques sorties médiatiques pour voir un peu comment est-ce que ceux qui sont venus après nous vont faire pour comprendre si, bon, on peut encore avoir le droit de citer, de parler, oui ou non. Heureusement pour moi, c'est le même peuple qui me demande de retourner sur les plateaux de télévision. Et j'annonce mon retour en force. Ce sera un grand plaisir de vous revoir dans ça. Je rappelle tout simplement que je ne suis pas tshisekédiste. Je ne vous ai pas attaqué. Et je le resterai. Je ne vous ai pas attaqué, Christian. Certainement. Merci beaucoup, papy, d'avoir répondu à nos questions. Ça a toujours été un grand plaisir. Le plateau est ouvert pour vous. Vous, quand vous venez, j'annonce mon grand retour. Oui, revenez. Le plateau est là pour vous. Donc, à tout moment que vous avez besoin de revenir. Je sors de cette émission avec des demandes. Oui, j'ai des enregistres. Les lois là-bas. Oui, oui. Et. L'interview avec... Oui, oui, ce sont les deux demandes que je fais. C'est ça, il dit, je sors de ces plateaux avec ça. Très bien, on va en parler un autre jour. Le Tout-Puissant, le Croyant, et les FC, les Croyants, sont des équipes qui se portent bien aujourd'hui. Est-ce que vous n'enregistrez pas des jeunes gens? J'ai pas compris la question. Est-ce que vous n'enregistrez pas des jeunes footballeurs talentueux qui ont besoin de jouer? Vous savez, je peux quand même le dire que c'est une fierté pour moi de savoir que j'ai 66 joueurs que j'encadre. 66 joueurs pour les deux équipes. J'ai 15 membres de comité que je paye. Ça fait de moi quand même quelqu'un qui contribue à éradiquer des mouvements subversifs. Parce que la plupart des jeunes que nous encadrons, ce n'est pas pour les indexer, mais la plupart sortent des quartiers difficiles. Et leurs amis, des fois, ou leurs anciens amis, ont emprunté des chemins où certains se retrouvent en prison, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, grâce à Dieu, on les a un peu récupérés. Et à ce jour, j'ai déjà pu, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, transférer au moins plus de 23 joueurs. Pour moi, c'est une fierté, parce que ça ne peut pas faire que ça, c'est la troisième année. Ça ne fait que 2 ans que je suis dans ces milieux. Et j'ai quelques joueurs qui sont en déplacement. Dans presque un mois, j'ai 7 joueurs qui vont faire les déplacements dans un pays étranger. Je ne pourrais pas citer les pays. Nous allons devoir te laisser parce qu'un avion t'attend. Voilà. On se retrouve très prochainement. Merci d'avoir été nombreux. Merci beaucoup, Christian. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Je m'appelle Maman Léa. J'habite Kinkole. J'ai fait mon petit commerce d'épices au marché de Matete. Chaque jour, je dois me réveiller tôt le matin pour vite prendre le transport qui va me déposer au marché.
J'ai acheté un smartphone au Capip et cela a changé ma vie. Elle est très bénéfique et très pratique. Je ne m'inquiète plus au problème de la batterie. Même si je quitte tôt, ma charge va durer toute la journée. Mama, nanya zaliawa. Tomato eza boni. Awa natie 500 francs. Oyokuna 1000 francs. Maman Léa finit ses ventes de la journée. Elle est prête pour rentrer à la maison. Elle appelle son mari. Allô chérie, tu as fini avec ton travail? Tu as pu récupérer l'enfant à l'école? Nazananzela nazozongandako. Bisous. Bye. Maman Léa parle avec son mari au marché. Je suis satisfaite avec mon téléphone car je sais que j'ai une garantie d'une année. Si le téléphone a un problème, bien sûr, je vais le faire réparer gratuitement dans le shop au Capi et je suis fière que cela est fait par l'un de fils du pays. Chaque jour, je donne le meilleur pour nourrir ma famille et au Capi est venu faciliter notre vie en mettant en notre disposition des téléphones de bonne qualité à un prix abordable. Défiant toute concurrence. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Guinée aux sang, c'est au pitoire, d'Aïmada, Chino, Tweneré, Nakinia, Panapiko. Oh,